Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Lucia Arellano a présenté la beauté avec un but Semilita de Belén à Miss Monde 2024, Inde. Lucia Arellano, représentante du Pérou au concours Miss Monde 2024 organisé en Inde, est en tête du classement des favoris selon Sage Factor International, une référence mondiale en matière de couverture des concours de beauté. Sa performance exceptionnelle dans le forum La Beauté avec un but a retenu l'attention du jury et du public. Lors de cet événement, Arellano a présenté le travail réalisé par sa fondation Semilita de Belén, qui offre une éducation, un soutien nutritionnel et des espaces de développement émotionnel aux enfants en situation de vulnérabilité. Lors de cette présentation, 117 femmes du monde entier ont partagé les histoires et les rêves les plus inspirants. Lucia Arellano nous dit, nous présentons au monde @Semilitas Belén, le projet social le plus spécial de ma vie car je crois en un monde plein d'opportunités. Nous avons essayé de trouver un moyen d'emmener mes enfants de Semilita de Belén avec moi dans ma robe afin de partager un message de puissance et d'espoir, et nous souhaitons laisser une marque sur le monde pour les générations à venir. Merci. Une fois de plus, la plus marquante de la journée est notre belle Lucia Arellano, qui nous offre la beauté et l'élégance de l'Inde. Pour la présentation de Lucia Arellano, de son projet Beauty with Purpose, elle portait une robe bleu clair de coupe princesse, sur laquelle étaient imprimées les mains des enfants du quartier de Belén, l'une des zones d'extrême pauvreté d'Iquito. Miss Pérou Monde y développe sa fondation Semilita de Belén. Et c'est le designer José Zafra qui a réalisé cette magnifique création et Lucia Arellano s'est distinguée dans le tournage de l'explication dans la vidéo de présentation, qui, avec celle qui a été envoyée sur le projet, sera évaluée par un jury spécialisé dans les actions d'aide sociale. Soyez prudent avec la robe que Lucia Arellano a présentée. Ce n'est pas n'importe quelle robe, c'est une robe avec de l'histoire, du travail, du dévouement et surtout pleine d'espoir, d'amour, de gratitude qui sont des petites graines de Bethléem. Les mains créatives des enfants de Belén laissent leur marque, reflétant la joie, les rêves et les illusions dans différentes couleurs appliquées sur la jupe. Ce projet social dirigé par Lucia Arellano fusionne l'élégance du design avec la noblesse du soutien aux communautés dans le besoin. Chaque empreinte raconte une histoire d'espoir et d'opportunité. Notre représentante péruvienne élève fièrement le nom du Pérou après son émouvante présentation sociale. Au Pérou. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.